Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Project Zomboïde. Allez, je vais pas parler de trop. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de mécanique, et après on va aller visiter une zone, une nouvelle zone, pardon, et on va bien voir ça pendant la partie. Allez, c'est parti! Bon, alors, 15h10, voilà, j'ai rien fait de la journée. J'ai glandouillé toute la journée. Mais ce serait bien que... J'aille faire un petit peu de mécanique. Allons voir ce véhicule. Ah, il est en super état, c'est très bien celui-là. Je vais pouvoir m'entraîner. Hop, je crois que j'ai pas pris de cric. Mince. Ouais, il va me falloir un cric. Cadavre dans mon couloir. J'ai la flemme de les retirer. Allez, un cric. Et théoriquement, je pense que c'est bon. Et c'est parti. Là, je vais pas partir trop en visite. Là, il y a du brouillard. C'est un peu désagréable en ce moment. C'est assez régulier. Hop, on va retirer les pneus. Essayer de faire un petit peu de mécanique régulièrement, que je puisse démarrer les voitures sans fil. Ah, hein. Il y a un écrou qui veut pas se retirer, un peu galère. Il a tellement été. Oh bah alors. Il a tellement été immobile que ça se trouve ça a rouillé. Mais bon, normalement ça roule pas comme ça. Ah, dis donc. Si j'arrive pas à retirer une roue, ça m'inquiète. Allez. Parfait. Enfin, c'est pas mon point fort la mécanique. Enfin, je disais ça aussi de la menuiserie et je me démerde bien maintenant. Allez. Chance de succès 0%. Je me le sens pas du tout. Mais c'est pas grave. Hop. Je me sens un peu chargé là. Je vais me contenter des pneus pour l'instant. Ah bah. Je pense qu'il y a un problème sur ce. Sur ce côté-là, parce que j'y arrive pas du tout. Ah, quand même.
Allez. Espérons que celui-là se place plus facilement. Ben non. Je dois pas être doué. Ah, bah quand même. Allez. Bon, le dernier. Voilà, parfait. Alors, je vais essayer de démonter et remonter la radio. Ça ne devrait pas être trop compliqué, c'est juste des fils bien repérés. Quel fil? Hop, allez, on va rebrancher. Ça devrait pas être compliqué normalement. Voilà, parfait. Est-ce que je vais arriver à retirer? Ah, va peut-être falloir que j'ai accès à la voiture avant. Hop. Ah, intéressant. Hop, allez, on change de place. Je vais ouvrir le coffre. J'en profite. Allez, les sièges. Allez. Ça, c'est toujours compliqué, les sièges à démonter. On va voir si je vais y arriver. Ouais. Pas mal. Allez, on continue. Parfait, j'arrive mieux que les pneus, dites donc. Remettre en place. Ça par contre c'est un peu plus compliqué à remettre. Hein. C'est toujours plus facile à démonter. Allez. Pourquoi tu me résistes? Eh ben, j'arrive pas à le fixer, c'est un truc de fou. Eh ben dis donc. C'est pas vrai. Allez là, ça va y aller quand même. Oh. On recommence. Eh ben quand même. Si je galère autant pour l'autre. Parfait. Eh ben dis donc, ça a été plus simple pour celui-ci. J'arrive pas à retirer celui-là. Ouais, pour y accéder, ça va être chaud. Ok. Ah, celui-là, j'y arrive pas. Allez, je vais le remettre. Parfait.
Comment faire pour retirer celui-là? Bah tiens donc. Il va être en bon état. Je vais la mettre par terre pour l'instant. Je vais la récupérer avant de partir, j'espère ne pas oublier. Mais non, celui-là j'ai déjà retiré. Ah, je sais pas comment retirer celle. Ce fauteuil là. Bon, c'est pas grave. Je vais retirer quoi? La batterie. Ça devrait pas être compliqué. Oh, je me sens déjà un peu plus doué quand même. Je commence à prendre le coup. Ok. Parfait. Bon. Et ça ira bien pour le moment. Je vais récupérer ce pneu. Enfin, il faudrait que j'en fasse un petit peu tous les jours, ça serait bien. Hop. On y va. Je vais aller ranger ça. Et après... Il y a ce petit coin là qui m'intrigue. Et là. Mais surtout ce coin là. Je pense que je vais essayer d'aller par là-bas. Il est 19h40. 40, pardon. Bientôt l'heure de dormir. De manger aussi parce que je commence à avoir faim. Ouais, là ça va être mon coin mécanique. Pour le moment. Parfait. Allez, quand j'aurai trouvé la technique pour démarrer les véhicules avec les fils, ça me changera la vie. J'aurai enfin des bons véhicules. Je me débarrasserai aussi des vieux véhicules dans le coin. Hop. Pour protéger ma base. Allez, on mange. Ah, c'est bon ça. Allez, j'en reprends un. Vous savez quoi? Je vais prendre une petite cigarette. Mince. Il n'y a pas de raison. Ah, cool. Allez, le petit sport habituel. Pour garder la forme. Je crois que c'est important. Dans ce nouveau monde. Parfait. Hop. Alors, mon sac. Allez. Ouais, il faudrait que j'y... La cuisine, l'agriculture. L'agriculture, ouais, pourquoi pas. La couture, pour l'instant... J'en fais pas de trop. Allez, dodo. Allez, une bonne nuit de sommeil après. Ça risque d'être un petit peu tendu. Allez, je mange. Je me gave bien. Allez, encore un. Voilà. Je pense être paré pour la journée. On est parti. Peut-être mettre de l'essence
dans le générateur parce que je crois qu'il restait pas grand chose. Et ben. J'ai pas pris de bidon d'essence. Ah si. Est-ce qu'il est plein? Normalement, il est plein. Ah, il y a un problème. Normalement, il est censé être plein. Bizarre. Celui-ci peut-être? Bizarre. Voilà. Ouais, je vais chercher de l'essence. Maintenant que j'ai une station, c'est nickel. Alors, ça, ici, ici. Je vais pas me surcharger plus que ça. Pareil. Boum. Allez, c'est parti. Ma pauvre voiture qui était si bien. On y va, c'est parti. Satané brouillard, toujours du brouillard. C'est peut-être un petit peu de saison, mais c'est assez désagréable. Ah, enfin bon, au point de pas voir le poteau quand même. Bon. Compliqué. Tiens. Un traînard. Allez, suis-moi, viens par ici. On va l'écarter de la base. Ah, je vois rien du tout. Le brouillard est vraiment trop intense, hein. Oh là 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 là. Une armée par ici. Ah, c'est vrai qu'ils ont dû se libérer des appartements. Ah, c'est compliqué. Je vois absolument rien. Tiens, je peux pas prendre de vitesse. Bon, ça va être la rue juste là, je crois. Me semble-t-il. Oh là 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 là. Il faut combattre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut y aller. Hop. Dans tous les cas. Il faudra combattre.
Mince. J'ai senti mon pied de biche vibrer. Allez, donne-moi. Continue. On va continuer comme ça. Allez, on essaye de... Je vais essayer quand même de rester un peu dans le même secteur. Pour pas me... compliquer la tâche. Allez, c'est bon ça. Très bien. On repousse. Allez. Ah, mince, il y en a une double qui s'ajoute. C'est compliqué là. Allez, un de moins. Ah, j'aime beaucoup ce pied de biche. Parfait. Ouh, ça m'a essoufflé ça. Je vais m'asseoir un peu dans la voiture. Hein. Et je vais continuer à pied. Pas faire de bruit. Allez. Ça va mieux. Bon, on est reparti. Et toi, est-ce que tu aurais pas une clé des fois? Malheureusement, non. Dommage. Allez, on s'amène. Suivant. Oh, petite fourbe. Mince, j'ai pas le temps. Tant pis pour toi. Mince, loupé. Eh ben... Ça commence fort. Voilà une maison qui aurait été bien comme petite base. Allez, j'aurais pu bloquer l'accès ici. Ah. Il y avait un garage. C'était impeccable. Toi, tu devais cuisiner quand tu t'es fait tuer. Voyons voir. Ah, ouais, ça aurait été parfait. Oula, par contre... Il y a du monde dedans, on n'y va pas. On va éviter. Alors, est-ce que je peux passer par ici? Ah, je dirais que oui. Ouais, ils vont pas tarder à sortir. Allez, toi. Oula! J'en avais vu plusieurs, mais quand même pas à ce point-là. Oula, mais ils sont trop bien là. Allez. Je comprends pourquoi ils sont pas nombreux dans les rues. Ils sont tous enfermés. Oh là là, ça va être compliqué là. Je commence à être essoufflé. Allez, il va falloir tenir. Le pied de biche ne tiendra jamais à cette cadence. Allez.
Allez, on repousse. Ouh là 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 là. J'ai l'impression que ma vie se résume à taper du zombie. Allez, une autre de moins. À toi. À vous deux. Allez, non mais oh. Compliqué, hein. Et je vais reprendre un peu mon souffle. Une cigarette là. Déstresser un bon coup là, ça m'a. Ouh. Ah, on a encore un ici. Bon, voilà. Allez. On va faire attention dans ces petites ruelles là, c'est chaud. Non, non plus. Je pense qu'il faut que je passe par-dessus. Ah oui, d'accord, c'est forêt par contre. Oula. Peut-être fait une erreur là. Ah, c'est chaud là. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur. Oula là 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 là. La bêtise. Oh, il fallait être sûr de soi. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il va falloir que je passe par là. Ah, mais il y a du monde ici. Oh, ça va être compliqué, les gars. Ah, il faut savoir faire marche arrière. Je vais attendre qu'il pète la vitre. Oh, ça y est, c'est fait. Mince, vous étiez aussi nombreux que ça? Non. Oula, l'erreur que j'ai fait là de m'asseoir. Oh. Là, j'ai fait une grosse erreur de m'asseoir. J'ai mis trop de temps à me relever. Du coup. Ah, j'espère que je ne suis pas fait mort. J'ai mal senti, plutôt l'impression que c'était une griffure, mais ça me fait trop mal. Oh. Allez. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se rajoute au groupe. C'est compliqué. Allez. Je peux pas regarder ma blessure. En tout cas, j'ai l'air de saigner. Ah, c'est compliqué là, je peux pas me soigner. Allez, mourez. Possible. Oh mais oh. Non, on reste allongé. Ah, j'ai été mordu. C'est pas vrai.
Allez. Ah, c'est à cause de moi, là, vraiment, la morsure, c'est une erreur. Allez. Normalement, il me reste un antidote. Ah, génial. Heureusement qu'il m'en restait un. Ça devrait passer normalement. Je vais mettre dans le véhicule pour refaire mon pansement correctement. Et désinfecter. Parfait. Voilà. Prendre des antidouleurs. Et moi, je vais arrêter la vidéo ici. Bon, écoutez, c'était compliqué, hein. Quasiment toute la vidéo avec du brouillard. Et puis cette petite erreur à la fin où je me suis assis pour essayer de me reposer un petit peu. En fait, j'ai mal calculé que le personnage mettait trop de temps à se relever. Donc il s'est fait mordre. Bon bref, il me restait une ampoule. C'est cool, mais les ampoules, je vais plus en trouver non plus des masses, hein. Donc il va falloir faire attention. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.